Salut tout le monde, c'est Limo 59 120. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de détection. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. On voit la première trouvaille ici, je crois que c'est un. Pour les petits revolvers, les jouets. Enfin, je suis pas sûr. Je crois bien que si. Voilà, on se retrouve après. Pour la prochaine trouvaille. Alors voilà, ici j'ai pas besoin de chercher. Donc, je sais pas encore ce que c'est comme pièce. Bon, je vais garder la surprise pour le nettoyage. Ça, vous le verrez à la fin. Alors voilà, on est le lendemain. Donc il n'y a plus un petit peu après que j'ai trouvé le dernier truc. Donc là je suis retourné dans le champ et j'ai fait quelques pas, voilà vite fait, et j'ai déjà monté un obus, quoi, un obus anglais bien sûr. Il est vite celui-là. Attendez. Voilà, et il était vraiment pas très profond en fait, il était juste profondeur sur mon détecteur, il s'est écrit 0. Regardez. Voilà. Et bizarrement, c'est quand je prends pas mon sac que j'en trouve. Bon, allez, prochaine trouvaille. Donc voilà, nouvelle trouvaille, regardez. Il y a un arc-en-ciel ici. Donc voilà, regardez, il y a un plomb de sac. Il commence à pleuvoir, magnifique. Donc nous voilà dans le champ d'il y a 6 mois. Je suis retourné au même endroit d'où j'avais trouvé toutes les ogives il y a 6 mois. Et regardez, je pense que j'en ai retrouvé une, mais cette fois-ci une française ou une allemande. Alors voilà, la pluie elle est quand même bien partie. L'autre côté c'est tout bleu. C'est nickel. Alors regardez ici. Je marchais et je vois un truc dépasser du sol. Et regardez. C'est ça, je sais pas encore ce que c'est. Ah ben c'est pas entier. Ah voilà, je sais pas encore ce que c'est. Alors vu l'endroit où on est dans un champ de la Première Guerre mondiale. Donc je dirais que c'est un morceau d'obus ou d'ogive. Après, si je me trompe, ça peut être autre chose. Bon, on verra bien ce nettoyage de toute façon. Voilà, prochaine trouvaille.